tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. On se retrouve directement dans le vif du sujet sur Brawl Star, le Brawl Talk. Je vous fais la traduction, on regarde le nouveau gameplay du tout nouveau Brawler. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Et on regarde un petit peu les détails que vous avez peut-être manqué. Écoutez, let's go, voilà, c'est parti. On n'oublie pas le petit pouce, voilà, le petit commentaire, ta ta ta. Donc voilà, new Brawler annoncé. Et ici on peut le voir en action. On a pu le voir quelques secondes en action. On va le revoir un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors là, il lui dit parle-moi un petit peu plus de Retropolis. Donc voilà, donc là il annonce que c'est une nouvelle map en fait. Donc voilà, c'est pas un nouveau mode de jeu, c'est une nouvelle map. Il dit qu'on peut se développer rapidement dessus, etc. Qu'elle est facile d'accès en fait. On va continuer. New Brawler. Parle-moi de ce nouveau Brawler. Voilà, il s'appelle Bibi. Et il a une batte de baseball, comme on avait pu le voir hein, sur les... Regardez, on le voit derrière. Donc, super classe. Waouh. Super stylé. Super stylé. Vraiment ultra, ultra stylé. Alors, on va se remettre... Ça, c'est pour moi, les gars. Ça, c'est pour moi. Petit screenshot. On va se remettre... Merde. Hop. Donc il a une grande portée hein, comme on a pu le voir. C'est marrant la gemme qui sort du puits là comme ça. J'ai trouvé ça assez cool, c'est assez classe. Les petites odeurs qui sortent en bas à gauche, ça paraît pas grand monde l'avait vu je pense. Les mécaniques de feu qui sortent à droite avec écrit Bunk Box. Vraiment super stylé. Donc là il nous dit qu'on ira accès quand, au training camp, tu sais, pour l'essayer. Quand le jeu il sera mis à jour, on pourra essayer le brawler même quand on l'aura pas, donc ça sera accessible à tout le monde. Ok, alors, on va revenir vite fait sur ça alors. Premier skin. Alors. On a un premier skin de Brock. Franchement, sympa, mais est-ce que c'était un skin de Brock auquel on s'attendait? Franchement, bah non, on va être honnête, faut être objectif. Nouveau skin de Karl, alors pour le coup le skin de Karl il est vraiment super stylé, rien à dire, on n'avait pas de skin de Karl donc ça fait plaisir. Et là il change un peu de modèle, j'ai envie de dire, tu sais, sur le design, donc vraiment cool, franchement je suis content. Nouveau skin de Bartaba, comme si on n'en avait pas déjà assez, ça c'est pareil, hein. Donnez-moi un skin de Léon ou de Pam. Et voilà, et ils nous sortent un skin pour l'arrivée, parce qu'en fait ça va faire un certain temps que Bartaba, que le jeu je crois est en release au Canada, vu que c'est sorti au Canada au tout début. Et du coup ils nous mettent un skin pour fêter ça, donc classique Canada bûcheron, hein, normal. Vraiment cool, mais encore une fois Bartaba c'est un skin qu'on avait déjà en masse, donc c'est un petit peu dommage. Donc en fait cette map elle va exister sur tout si j'ai bien compris, hein. Si j'ai bien compris je dis bien. Donc ils vont update des maps. Ils vont nous parler, il va y avoir un équilibrage. Et donc voilà, ils nous disent que le Brawl Talk est terminé et d'être présent pour Retropolis, d'être prêt pour Retropolis. Et si vous voulez que, voilà, si vous voulez que Ryan revienne, abonnez-vous. Du coup, on va remettre cette petite image. Voilà. Donc résumé de ce Brawl Talk, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle map qui va être disponible un petit peu partout, sur tous les modes si j'ai bien compris. Bon, hormis les modes comme le siège par exemple ou le Brawl Ball, parce que c'est pas des maps, mais sur la Razia Gem, sur le Haste, voilà. On va avoir donc un nouveau brawler, 4 nouveaux skins qui vont arriver progressivement je pense, un rééquilibrage comme vous avez pu le voir. Qu'est-ce que j'ai lu? On va avoir des maps qui vont être update, donc je ne sais pas si elles vont être supprimées pour être remplacées ou être modifiées, donc ça je peux pas encore vous dire.
Et donc, on attend impatiemment ce nouveau brawler Bibi. Et en attendant ce brawler Bibi, on va passer sur mon compte, faire quelques games et checker si on n'a pas un peu de pack opening. Alors, on se retrouve sur mon compte et on a accès encore une fois donc sur mon compte gratuit à tout ça. Je vais m'en mordre les doigts. Oh là là, oh 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 non. Okay, je me suis mis à hurler tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas ma souris et mon écran s'est coupé. Donc, j'étais obligé d'aller chercher ma souris. Je vais m'en mordre les doigts, je pense, si je les achète pas. Mais bon, on va pas se mentir. Ah ouais, les forceurs. 500 gemmes, c'est quand même ultra cher, hein. 500 gemmes, c'est 30€ à peu près, donc bon. Voilà, on va récupérer ça. Il y a Brawler Epic pour 170 que je pourrais acheter. Mais non. Je suis plus intéressé par... Hop. Ah, et pourquoi pas se faire un petit siège, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas disputé un petit mode siège. Brawler, qui on pourrait prendre en mode siège? C'est vrai qu'on a débloqué pas mal de Brawler. Eh ben, on va prendre Penny. On a débloqué tellement de monde dans le siège que là, c'est l'occasion rêvée de prendre Penny. Alors, hop, let's go. Penny, je gère. Putain, merde, je me suis planté. Oh, j'ai pas touché une fois, quoi. Oh, la haine. Ok, ça touche. Ok, nickel. Oh, là, faut que je revoie mon shoot, là. Ok, ça tue. Ça touche pas. Ok, ça va. On a conservé l'avantage. Ça va toucher, ça. Voilà, là, il va être beaucoup mieux, le mortier. Va nous permettre de faire le ménage. Ouh. Merveilleux. Oh, ça va être compliqué pour eux là. La petite défense du coup. Ah, je pensais que je pourrais y arriver. Bien joué ça, dommage qu'il ait pas touché Rosa le Franck. Bon, on a quand même mis 54% sur le premier robot. C'est genre insane, hein. Oh. Ouh, heureusement que je me rattrape. Ces robots rouges, c'est pas très grave. Faut que j'arrête d'auto-aim, c'est horrible. Ok, là voilà. Dès que j'auto-aim plus. Oh oui, oh la belle défense pour faire revenir le Franck. Oh la belle défense. Oh la belle défense. On pouvait, je pense, difficilement faire mieux. Deux fois. Ah, mais c'est parce qu'elle est level 1 aussi, ma Penny, que je me dis putain, mais elle fait pas de dégâts. Bah oui, non, mais normal. Ok, ça c'est fait. Allez, ça va, régène. Oh, le mauvais spé. Pardon. Ça a touché. C'est l'essentiel. Ça a touché une autre fois. Allez. Bon, on gère, on domine la situation, les gars. C'est, logiquement, c'est bon, ça. Oui. Oh non, oh, je me suis fait avoir comme un bleu, j'aurais tellement pu avoir le coffre. Bah, on a gagné. 2% on a gagné, on va aller au coffre directement, à moins de 15% il faut directement aller chercher le coffre, hein, souvenez-vous. Ah, ça c'est bien vu ça. Ah merde, j'ai tué le ricochet mais j'ai pas tué le coffre. Et là c'est le coffre qui nous intéresse. Hein.
la vache. On va se retrouver à défendre le robot, ça m'énerve. Je vais à l'Ocoff direct, c'est bon, vas-y, j'ai pas le temps. Et pour terminer, un petit mode survivant avec Jesse. On va essayer d'utiliser les différents ricochets pour faire le taf. Ok. Ok, ça nous met à 3, c'est intéressant. Il y a un 4 là. Oh, il y a même plus qu'un 4. Oh, ça va être carrément intéressant, ça. Ouh, pour commencer, une petite Jessie à 7. Autant vous dire que là, on va pas plaisanter une seule seconde. Là, on devient chasseur, hein, très clairement. Cadeau. Wouah, Jessie à 9. Ouf. Tiens, c'est cadeau ça. Ouf. Lourd, Jessie à 10. Ça va être compliqué pour la suite, mais c'est que j'ai joué. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un. Il y a moyen d'aller chercher le number one. Alors, il a dû continuer de me poursuivre, je pense. Ok, on est 3. Le troisième, il doit être là-bas en haut à droite dans le bush. Oh, c'est par tabac, il est juste là. J'ai gagné. J'ai gagné parce qu'elle ne rechargera jamais son spé en fait. Oups, nos signal, oups, nos signal. J'ai cassé ma tablette. J'ai cassé ma tablette. A few moments later. De toute façon, on s'en fout car c'était déjà l'heure du jingle. Jingle. Non, je déconne. Je t'invite à cliquer juste ici. C'est ma dernière vidéo. Tu peux aller la checker si tu l'as pas encore vue. Si tu l'as déjà vue, tu peux cliquer alors juste ici. C'est directement le bouton qui te permet de t'abonner. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos tous les jours. Bonne journée.